Roberto Chinzari. Et la France est aujourd'hui, pour ces femmes et ces hommes qui quittent la misère ou la détresse dans leur pays et cherchent à rejoindre le territoire britannique, ce qu'on appelle un lieu de transit. Ils ne veulent pas rester en France. Ils veulent à tout prix traverser. Et donc la véritable réponse est dans une coopération sérieuse pour prévenir ces mouvements, pour démanteler ces réseaux de trafiquants et éviter que ces femmes et ces hommes n'arrivent sur notre sol, car c'est déjà trop tard quand ils sont là. J'ai discuté il y a 2 jours avec le Premier ministre Johnson, de manière sérieuse. Pour ma part, j'entends continuer à appliquer ce que je fais avec tous les pays et tous les dirigeants. Je suis surpris des méthodes quand elles ne sont pas sérieuses. On ne communique pas d'un dirigeant à l'autre sur ces questions-là par tweet et par lettre qu'on rend publique. Nous ne sommes pas des lanceurs d'alerte. Allons, allons. Donc les ministres vont travailler sérieusement pour régler une question sérieuse avec des gens sérieux. Désormais la question des alliances, est-ce que c'est ce que vous êtes venu chercher ici avec un nouveau... Nous partageons sur le projet européen comme sur les grandes questions du monde une même vision. Nous allons ainsi pouvoir continuer d'œuvrer pour une défense européenne plus forte, contribuant à l'OTAN, et pour une action commune pour résoudre les principaux conflits, en particulier la situation libyenne.